les jeunes prennent des responsabilités, savent s'organiser, se former. Et ici à Genève, nous avons beaucoup de chance car les organisations internationales ouvrent leurs portes aux jeunes. C'est un gage de confiance de la part du monde diplomatique, un signe qui, à mon avis, est très positif et un gage de bon avenir, à mon avis. Espérons que chacun des délégués repartira enrichi à tout point de vue, enrichi des thématiques qui auront été abordées, de la réflexion à mener sur le consensus à rechercher pour prendre des décisions à l'échelle internationale et dans le cadre d'une conférence multilatérale. Et nous espérons bien entendu que le dispositif linguistique les aura encouragés à poursuivre leurs apprentissages dans les deux langues de la conférence et s'épanouir en tant que futurs citoyens du monde. Aux activités de MUN, on peut très bien pouvoir se retrouver à parler devant une assemblée de plus de 400, 500 personnes et faire ça à l'âge de 15 ans, 14 ans, 16 ans, c'est assez extraordinaire.